Bonjour à tous, Fred Lamy, expert sur Sketchup. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut créer des formes organiques dans le logiciel Sketchup. Alors, vous savez très bien, si vous connaissez déjà Sketchup, que lorsque vous faites des formes dans Sketchup, en règle générale, c'est des formes qui vont être plutôt cubiques. Voilà, donc on prend par exemple bah, le rectangle, on va dessiner un rectangle au sol, on fait un coup tiré et puis bah, à partir de là, bah, on peut éventuellement couper certaines faces, vous voyez, déplacer par exemple cette face-là, mais... Difficile d'avoir quelque chose de vraiment arrondi avec plein plein de faces. Voilà donc aujourd'hui on va voir le plugin Artisan. Artisan c'est quoi C'est un plugin que vous allez pouvoir installer sur SketchUp et d'ailleurs euh, cette semaine vous avez le Black Friday avec Artisan et donc je crois que vous avez moins 40% euh, donc bah pourquoi pas l'acheter maintenant C'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi aussi je fais mon Black Friday, j'ai moins 50% jusqu'au 26 novembre sur toute ma plateforme. Vous pouvez eh bien, vous formez à Sketchup et notamment j'ai une formation complète sur Artisan. Allez on commence. Donc pour pouvoir créer ce genre de, de forme géométrique voilà, organique, il va vous falloir évidemment le plugin Artisan. Artisan c'est quoi C'est un plugin avec pas mal de barres d'outils. Là vous avez Artisan Subdivision, Artisan Sculpt et on a même encore une qui s'appelle Artisan Transform. Alors moi je vais juste utiliser Artisan Subdivision et Sculpt pour vous montrer. Donc, on va enlever cette forme géométrique qui n'est pas du tout euh, sphérique et organique. Donc, on va prendre un rectangle. On ne s'embête pas. On prend un rectangle. On fait un pouce étiré. On sélectionne la forme géométrique. Et de là, on va ici subdiviser et smoother. C'est-à-dire qu'en fait, on va cliquer une fois et regarder en un clic et eh bien artisan, il va couper, en fait, il va éclater un peu votre, votre forme pour faire quelque chose de un petit peu plus arrondi. Alors, ça, c'est une forme de base, vous voyez, qui va, me, qui va me générer. Si je veux quelque chose de plus, d'un petit peu plus lisse, un petit peu plus rond, bah, je reviens en arrière, CTRL Z, et mon cube, euh, je vais le subdiviser. Le subdiviser, c'est ce bouton-là. Donc, on va créer, vous voyez, des séparations, ici, une et deux, par exemple. Et là, lorsque je vais sélectionner mon objet, et que je clique ici sur subdiviser et smousser hop voilà il va modifier ma forme seulement là je commence à voir quelque chose d'un petit peu industriel un coussin ou un je sais pas donc ça c'est pas intéressant pour moi je vais juste laisser voilà en subdiviser comme ça et on va lisser et à partir de là à partir de cette forme géométrique dans Artisan Sculpt, eh j'ai des broches. Voilà. J'ai le, le Sculpt Broche qui est hyper intéressant puisque vous voyez que je vais, dé, je vais me déplacer sur ma forme. J'ai une petite cible au milieu verte. Alors on peut l'inverser aussi cette cible avec CTRL. Soit je vais étirer mon maillage, soit je vais creuser. Je peux également diminuer le radius qui est un peu trop grand. Voilà. Et regardez lorsque je vais cliquer, boum, ça va modifier automatiquement ma forme géométrique. Je laisse mon doigt appuyer sur le bouton gauche et vous voyez que là, on va avoir. Plein de possibilités pour, euh, pour gonfler ma forme. Et au passage de ma souris, je laisse mon doigt puis sur le bouton gauche. Alors là, c'est immédiat, c'est hyper rapide, parce que j'ai une bonne configuration. Moi, je vous conseille d'avoir euh, bah, un ordi avec un, un bon processeur, une bonne carte graphique pour pouvoir euh, bah, éviter les, les plantages notamment. Donc là, ça marche vraiment super bien. Donc voilà comment j'ai fait pour ce genre de forme. Donc on peut partir d'une forme. Euh, un peu complexe, on peut partir vraiment d'une forme hyper simple, tiens je vais prendre par exemple autre chose, on va prendre un polygone on va faire un polygone pousser, tirer, là je vais avec S, échelle et contrôle je ne sais pas, partir de cette forme géométrique là, et on va voir ce que ça va nous donner donc hop on crée cette forme là et on reprend le, le broche, et là on va faire d'autres formes, voilà Toc. et là ça nous fait euh, un autre rocher par exemple. Alors si je veux que ce soit encore plus rapide, je peux augmenter et eh bien la puissance de mon outil et dans ce cas, hop, ça va étirer encore plus. Donc je peux vraiment jouer avec euh, avec tous ces paramètres là. Donc voilà, c'est super sympa. Et puis bah après, bah, je peux je peux rajouter de la texture. Hein, la texture sur ce sur ce rocher. Donc moi ici, j'ai téléchargé une texture euh, sur le, le site Ambiance CG, voilà texture comme ça, et c'est magnifique. Bon, là on, on se retrouve sur les problématiques de SketchUp de texture. Quand c'est comme ça, bah j'ai mon, mon petit ske SketchUp un plugin qui va me permettre de recalculer la texture et de la mapper correctement sur ma face. Donc clic droit, hop, cylindrique, et regardez, c'est magnifique. On y va, clic droit, cylindrique, et là ça applique mes textures comme je veux, pour éviter les arêtes, on sélectionne, clic droit, on va faire adoucir, lisser les arêtes. Voilà, et là, j'ai plus du tout de traits, ce qui est juste formidable. Donc ça me permet, voilà, alors, quel est l'intérêt de faire ça, de faire des rochers, on peut en trouver euh, sur Internet, mais voilà, en deux secondes, vous faites vos, vos formes organiques, vous pouvez sculpter vos paysages, et je pense notamment à nos amis euh, paysagistes, ça c'est un, un plugin qui est juste incroyable. Donc voilà pour la petite démo vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes paysagiste ou vous avez des travaux à faire en extérieur en règle générale et que vous utilisez ce super logiciel qui est SketchUp et aussi Enscape pour les rendus photorealistes, ben regardez, là avec le Black Friday, vous avez moins 50% sur cette formation pour les paysagistes. Donc, une formation super complète où il y a plein d'ateliers, plein notamment faire une pergola en 3D, euh, voir comment on modélise le terrain avec les outils de base de Sketchup et puis avec Artisan que je vous ai montré aujourd'hui, ben vous pouvez aller vraiment plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo, à la liker et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec Sketchup. Ciao